Donc, Développement et Paix, comme membre de Caritas Internationalis, se mobilise pour prêter main-forte à Caritas Haïti, qui est notre partenaire sur le terrain. Donc, on est déployés, Daniel et moi, pour aller prêter main-forte à Caritas Haïti. Il s'agira dans un premier temps pour nous autres de faire le constat, l'état des lieux, et puis d'appuyer Caritas Haïti dans la programmation pour leur secours d'urgence. Et aussi, il y a des partenaires dont on va vouloir prendre des nouvelles. D'abord, d'autres partenaires que Caritas qui vont aussi avoir des programmes qu'on va tenter d'appuyer pendant notre séjour. C'est sûr qu'on espère s'y rendre le plus rapidement possible. Il y a des difficultés, comme chacun sait qui écoute les nouvelles en ce moment, pour s'y rendre. Par contre, la principale difficulté, c'est pour les gens qui sont sur le terrain en ce moment puis qui essaient de rendre des services à la population qui en a tellement besoin. Donc, Caritas Haïti est à pied d'œuvre depuis les premières heures. Ils ont déjà préparé à recevoir du matériel pour essayer de donner de la nourriture à 50 000 personnes. Ils ont distribué des tentes, des couvertures. Ils vont se préparer à distribuer de l'eau potable et tout ça. Les circonstances sont très difficiles. La logistique est très mauvaise. L'accès n'est pas simple. Mais je pense qu'il faut souligner que tout le monde travaille d'arrache-pied jour et nuit, là, les Haïtiens, dans chacune de leurs organisations.